Bonjour chers amis, bienvenue sur notre chaîne La vérité pour notre temps. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous vous souhaitons une bonne écoute sur notre chaîne. N'oubliez pas de liker pour que nous puissions avoir un maximum de vues chers amis. Nous avons besoin de cela pour que la vérité puisse être propagée un peu plus chaque jour. Abonnez-vous aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et prenez le temps, comme nous vous le disons, d'écouter attentivement une ou deux fois. N'écoutez pas lorsque vous êtes en activité, vous êtes concentré sur autre chose et que vous écoutez les études pour les écouter. Non, cela ne sert à rien. Si on parle d'études, c'est qu'il faut prendre le temps de s'asseoir, ouvrir nos cahiers, ouvrir nos Bibles, prendre nos crayons et prendre des notes, chers amis. C'est ça une étude. Ne faisons pas euh, ces sujets simplement pour que vous puissiez les écouter, mais que, pour que cela puisse nous imprégner et nous amener à un changement, à, à être différents, à être de véritables chrétiens. Alors, puisse Dieu nous aider à travers euh, cette nouvelle étude que nous allons partager avec vous. D'où le titre de notre étude, connais-tu réellement Christ L'as-tu vraiment rencontré donc, à travers cette étude, nous ferons le constat et nous serons à même de savoir si nous le connaissons vraiment et si, si nous l'avons véritablement aussi rencontré. OK? Donc, euh, avant tout, comme d'habitude, nous allons prendre la position pour la prière pour invoquer la présence de notre Dieu. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te louer, te bénir, te glorifier, t'exalter. Alors que nous ouvrirons une nouvelle fois ta parole, nous réclamons de toi l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui doit nous conduire dans toute la vérité. Alors instruis-nous que nous soyons des enfants obéissants, sages, attentifs à ta voix et que nous puissions marcher dans tes enseignements. Préserve-nous, bénis tout un chacun et garde-nous en ta paix et que ton nom soit glorifié et béni. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Connais-tu réellement Christ L'as-tu vraiment rencontré Avant de pouvoir développer notre sujet réellement, il nous est important de savoir ce qu'est la connaissance. Qu'est-ce que connaître quelqu'un particulièrement La connaissance peut être quelque chose de très complexe et de simple en même temps. Il y a plusieurs degrés dans la connaissance. Nous pouvons avoir une connaissance basique de quelqu'un, mais il y a aussi un degré beaucoup plus approfondi, où cette connaissance passe par le vivre ensemble, comprendre la personne, l'apprécier, vivre des expériences avec cette personne, avoir une vie commune avec cette personne. Ça, c'est le deuxième degré de la connaissance qui est beaucoup plus approfondi. Souvent, il nous arrive de dire que nous connaissons quelqu'un, mais cela s'arrête au premier degré, c'est-à-dire de par son identité, son nom, euh, par le visuel, on l'a vu deux ou trois fois. Donc, euh, euh, cela nous permet de dire que l'on connaît cette personne. Mais la connaissance dont nous parle la parole de Dieu, et la connaissance du second degré qui est une connaissance beaucoup plus approfondie une connaissance où on va prendre du temps à découvrir qui est cette personne qui est telle ou telle personne et particulièrement christ ceci nous amène à comprendre que pour connaître dieu pour connaître christ il nous faut passer du temps en sa compagnie en faisant cette démarche, nous sommes plus à même de, de savoir qui il est véritablement, quelles sont ses attentes, quelles sont ses pensées, quels sont ses, ses projets, etc. Mais il se trouve que qu'en tant que chrétien, beaucoup d'entre nous disons connaître Christ. Et pourtant, nous arrivons à douter de lui, à douter de sa parole, à douter de ce qu'il est capable de faire. Lorsque nous connaissons véritablement quelqu'un, nous ne pouvons pas douter de ses capacités. Parce que nous avons appris comment fonctionne cette personne, comment... Et si nous disons connaître Christ et que nous arrivons à douter de lui, Ceci voudrait dire que notre connaissance de Christ est une connaissance superficielle. Ça rejoint le premier degré de la connaissance. Nous le connaissons de par son nom. Donc ceci nous amène à comprendre que pour connaître Christ véritablement, il nous faut le rencontrer. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un, à partir de ce moment, nous prenons du temps avec cette personne dans le but de découvrir véritablement ce qu'il est et comment il fonctionne. Et lorsque, pour confirmer cela, il y a un texte qui nous est familier et que nous allons reprendre, qui se trouve dans Ésaïe chapitre 4, qui nous dit ceci. En ce jour-là, cette femme saisiront un seul homme, disant, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Si cette femme, nous le savons, représente cette église, cette femme dans la Bible représente l'église, mais souvent, cela peut se référer à nous, à chacun de nous qui disons connaître Christ, mais voulant faire notre propre volonté, voulant faire notre propre choix, manger notre propre nourriture. Et lorsque nous parlons de nourriture, là, nous parlons de nourriture spirituelle. Lorsque nous prenons le temps de connaître Christ, lorsque nous cheminons avec lui d'une manière régulière, notre vie ne peut pas rester la même. Nous ne pouvons pas rester la même personne. Pour quelle raison parce que la vie de Christ va influer sur notre vie. Et c'est là que nous devons, en quelque sorte, nous poser la question nous-mêmes. Est-ce que ma connaissance de Christ est superficielle ou est-elle profonde S'agit-il du premier degré ou du deuxième degré de la connaissance Le degré approfondi, le degré superficiel ou le degré basique, on va dire. Il y a un proverbe qui dit, Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Et ce proverbe est, est très important. Pourquoi Parce que cela nous amène à comprendre que si nous fréquentons un voleur, nous serons voleurs nous-mêmes. Nous deviendrons voleurs nous-mêmes. Et si nous fréquentons Christ, si nous apprenons à le connaître, si nous l'avons véritablement rencontré, notre vie sera semblable à la sienne. Nous deviendrons comme lui, de même que le voleur, celui qui n'est pas encore voleur, qui fréquente le voleur devient voleur. Si nous fréquentons Christ, si nous prenons le temps de vivre avec Christ, nous finirons par faire comme il fait lui-même. Ceci nous montre que si aujourd'hui il y a tant de disparités concernant la chrétienté, s'il y a tant de divergences concernant la foi, c'est que beaucoup d'entre nous n'avons pas connu Christ au second degré. Nous le connaissons simplement de par son nom. Comme Esaïe nous l'a dit, nous portons le nom de chrétien parce que nous fréquentons Christ, mais cela ne veut pas dire que nous sommes de vrais chrétiens. Puisqu'en fréquentant Jésus-Christ, nous, nous devenons semblables à lui, nous dit la parole. Ok? Mais il semble que beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent simplement porter le nom de Christ, le titre de chrétien, on va dire, mais veulent faire ce qu'elles qu veulent. À tel point que nous faisons comme nous voulons, lorsque nous venons en sa présence, nous nous présentons comme nous voulons, puisque on nous a laissé entendre de venir comme vous êtes. Mais la parole n'a pas dit de rester comme vous êtes. Et la raison pour laquelle nous disons cela, chers amis, c'est parce que dans certaines églises du Nord, pas du Nord de la France, hein, du Nord de l'Europe, en Allemagne par exemple, certains dirigeants invitent les membres à venir comme ils sont parce que Dieu les accepte comme ils sont. Oui, c'est vrai hein, dans une certaine mesure. Mais. Le travail n'est pas fait pour encourager les membres à ressembler à Christ. Et comme nous le disions, ces mêmes dirigeants invitent les membres à considérer Christ comme un béni oui-oui. C'est-à-dire que Christ accepte tout et n'importe quoi, au point de chanter des chants de Walt Disney au moment des louanges. De ce que nous disons, ce sont des faits avérés, chers amis. À tel point qu'au lieu de présenter un culte raisonnable à Dieu, ce sont des muffins qui passent à travers les membres, ce sont des boissons qui passent à travers les membres. En fait, le culte devient un moment de réjouissance, un moment où on échange et on parle de tout et de n'importe quoi. Chers amis, ça se passe dans des églises en Allemagne. Et ce sont les pasteurs qui dirigent, qui disent Oui, Dieu est bon, Dieu accepte tout. Venez tel que vous êtes. Il y a des gens qui viennent en débardeur, en short, etc. Ceci confirme en fait notre connaissance de Dieu. Et ce sont ceux qui devraient nous instruire dans la connaissance qui nous amènent à déshonorer Dieu. C'est pour cette raison que l'éternel a un procès avec les dirigeants, chers amis. Il a un problème avec eux. Il a un réel problème avec eux. Et c'est ce qu'on entend de plus en plus. Jésus est tellement amour. Jésus est tellement bon. Oui, c'est vrai, Jésus est amour. Mais il n'accepte pas n'importe quoi. Donc, on abaisse le niveau de la religion pour permettre à tous ceux qui veulent d'entrer, mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Ces gens qui sont entrés, qui ne sont pas plus convertis que l'ennemi lui-même, demain matin prennent le contrôle et comme on ne leur a pas mis les garde-fous, on, on ne leur a pas appris qui est Dieu, comment Dieu, considérer Dieu, comment se mettre en présence de Dieu, donc de génération en génération, cela va se reproduire. Et c'est là que, quand progressivement, l'abomination, c'est là que les compromis sont faits. Parce que nous avons une connaissance superficielle de l'Éternel. Et nous allons même beaucoup plus loin que cela. Aujourd'hui, si si, en fait, si nous avons bien compris le sanctuaire, lorsque l'Éternel avait mis les directives, les enfants d'Israël ne venaient pas n'importe comment au sanctuaire. Et même ceux qui officiaient ne s'habillaient pas n'importe comment. L'Éternel leur avait donné, avait donné une manière de se tenir. Aujourd'hui, il y a tellement d'alliances qui sont faites qu'on permet à un musulman, sous prétexte de liberté religieuse, de venir présenter des sujets dans des églises adventistes, par exemple. Je ne dis pas, attention, qu'il ne faut pas partager, qu'il ne faut pas collaborer avec des musulmans, qu'il ne faut pas parler avec des évangéliques. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que nous disons, chers amis. Mais nous disons que si Dieu nous a montré dans le passé que son sanctuaire est quelque chose de sacré, nous ne devons pas amener un feu étranger dans le sanctuaire de l'Éternel. Ça prouve combien nous sommes tombés au, au, très bas. Donc aujourd'hui, nous reprenons des églises catholiques, des églises qui sont vouées à Satan, et nous faisons des cultes dedans. Nous permettons à tout et n'importe qui de venir, nous échangeons nos églises, parce que c'est devenu coutume aujourd'hui. Donc là où nous honorons le vrai Dieu, les gens honorent honor, leur soi-disant Dieu, qui est un Dieu païen. Est-ce que vous voyez pourquoi notre connaissance de Dieu doit être une connaissance approfondie pour nous amener à rester dans le droit chemin. Mais l'ennemi ne veut pas que nous restions dans le droit chemin. Il ne veut pas de cela. Donc, il permet la facilité aujourd'hui. Mais si venez tel que vous êtes, entré, c'est bon, l'éternel est bon. L'éternel bon, vous accepte comme ça. Mm -hmm. Combien de futurs perdus nous faisons, chers amis, quand nous, nous employons des formules que nous ne comprenons pas nous-mêmes? Et nous répétons cela après, année après année. Personne n'est formé comme il faut. Même les responsables ne sont même plus formés comme il faut. Ils sont formés à la théologie pour tordre le sens des Écritures. Et lorsque vous prenez des études avec eux, par expérience, chers amis, un pasteur m'a dit une fois, je ne veux plus que les gens fassent des études dans l'église parce que je ne maîtrise pas les prophéties. Un pasteur qui a dit cela, chers amis. Vous vous rendez compte Un pasteur qui, en fait, il est, c'est vrai, il a, il a avoué, il est, il est sincère avec lui, mais il a dit qu'il ne connaît pas. Mais pourquoi empêcher aux autres qui connaissent de parler Pourquoi pour empêcher aux autres qui connaissent d'expliquer la prophétie Parce que, assis-toi et puis apprends, puisque tu ne connais pas. Non. Est-ce que vous voyez la politique Donc, nous ne connaissons pas, mais nous ne voulons pas que les autres connaissent. Chers amis, avons-nous vraiment connu Christ Le connaissons-nous vraiment L'avons-nous vraiment rencontré Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, la, la tendance est à nous éloigner de la connaissance. La tendance est à nous éloigner de la vérité mais nous faire accepter quelque chose qui ressemble à la vérité. Est-ce là le plan de Dieu pour sauver l'humanité Non. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut faire attention, ne pas participer à n'importe quoi, ne pas entrer dans n'importe quoi. Ce n'est pas parce que c'est un dirigeant qui l'a décrété que nous devons dire Amen. Et c'est là que nous voyons que notre connaissance de Christ est une connaissance superficielle. Donc ce que Dieu veut pour nous, ce que nous n'ayons pas, c'est que nous ayons une connaissance approfondie de sa parole, non pas une connaissance superficielle. Donc nous avons une démarche à faire aujourd'hui. Il arrive souvent que nous voulons agir d'après notre vision des choses. Et c'est pour cette raison qu'il y a tant de courants de pensée aujourd'hui, tant de doctrines divergentes aujourd'hui. Et tout un chacun est perdu parce qu'il se dit mais qui suivent comment découvrir ce qu'est la vérité? Tout ceci est le plan de l'ennemi pour nous faire dévier progressivement de la vérité. Et la chose va tellement loin que dans le pays il y a le bulletin d'information adventiste, la communication est faite pour nous amener à comprendre que très bientôt. Au sein de la communauté, l'intelligence artificielle fera son entrée. Alors, voilà encore la chose qui va mettre à mal les fidèles. Attention, nous ne disons pas que l'intelligence artificielle n'a pas de bon côté. Mais qui nourrit l'intelligence artificielle Qui c'est qui forme l'intelligence artificielle C'est l'homme. Donc, en introduisant l'intelligence artificielle, d'après ce qu'il dit, c'est pour vous aider, hein? c'est pour aider les, 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 les dirigeants, pour aider les membres à comprendre. Donc, ceux qui vont paramétrer l'intelligence artificielle, ils vont leur apprendre ce qu'ils veulent, d'après leur compréhension de la parole, mais ne vont pas leur apprendre ce que Dieu dit, puisque nous avons déjà un problème avec les, les dirigeants qui n'ont pas reçu une bonne formation. Donc, les choses vont s'empirer. Et on va faire tellement confiance à l'intelligence artificielle qu'on va dire que ce que l'intelligence artificielle dit, c'est la vérité. Et c'est là encore que le niveau va s'abaisser. Peut-être que vous n'imaginez pas où on va. Peut-être que vous pensez que les choses seront belles au sein de la communauté. Non, l'Éternel dit que l'Église descend résolument, retourne résolument en Égypte. Et en Égypte, il n'y a que l'abomination. Donc en faisant, en nous, dé, en nous préparant déjà à l'entrée de l'intelligence artificielle, donc les pasteurs vont s'engraisser davantage, on va dire, et puis les membres vont aller simplement, euh, on va vous donner le lien, et puis vous irez, vous allez consulter l'intelligence artificielle, il va répondre à vos questions. Vous voyez où on va On abaisse encore le niveau. Au lieu de faire des groupes de maison, des groupes d'études approfondies pour que chacun échange, pour que ça donne sa conception, qu'on dise, non, voilà, c'est comme ça que Dieu veut les choses, on va nous former avec l'intelligence artificielle. Une autre catégorie de BOJ numérique. On est vraiment mal barré. Hein. Vraiment, vraiment mal barré. Euh, plus on avance, plus on est mal barré. C'est vraiment dommage. Enfin, poursuivons. La Bible nous dit que lorsque nous sommes en Christ, Lorsque nous avons pris le temps de connaître Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Donc chaque jour, nous devons nous poser la question, suis-je cette nouvelle créature Suis-je différent depuis le jour où j'ai connu Christ Suis-je devenu quelqu'un de différent Est-ce que ma vie est la même est-ce que je continue à tromper mon prochain Est-ce que je continue à mentir, à juger mon prochain Ou est-ce que j'apprends, j'ai appris la patience Est-ce que je bénis ceux qui me persécutent, comme nous dit Omen 12 Est-ce que je bénis ceux qui me maudissent Est-ce que je me sens supérieur aux autres parce que j'ai une certaine connaissance Ou suis-je comme Christ humble de cœur. Est-ce que sans cesse je me mets en colère pour un rien du tout Ou suis-je suffisamment tolérant, patient Toutes ces questions doivent nous amener à comprendre si véritablement nous avons connu Christ. Si en fréquentant Christ, nous devenons de véritables chrétiens ou si nous restons tels que nous sommes. Et c'est pour cette raison que L'église de Dieu, lorsque nous parlons d'église de Dieu, nous, nous parlons toujours, nous, nous, à chaque fois nous le disons parce qu'il y a jusqu'à présent des gens qui n'ont pas compris que l'église n'est pas un bâtiment. Lorsque nous parlons de la communauté des croyants, nous voyons que effectivement nous avons une connaissance très superficielle de Dieu. Très superficielle de Christ. Lorsque Christ vit en nous, chers amis, la Bible nous dit que notre vie, Devient semblable à la sienne. Que ce que nous faisions dans le passé, nous ne le faisons plus. Ce que nous disions dans le passé, nous ne le disons plus. Parce que Christ vit en nous. C'est-à-dire, à force de fréquenter, sa vie dépeint sur notre vie. Là, nous voyons qu'il y a deux catégories, en quelque sorte, de croyants. Des croyants qui prétendent connaître Christ qui porte son nom, mais qui sont dans une condition misérable parce que leur vie n'est pas en accord avec celui qu'ils fréquentent. Leur vie n'est pas en accord avec le Christ qu'ils prétendent suivre, qu'ils prétendent suivre, tandis qu'une autre catégorie, comme Marthe, choisit la bonne part de Rester en présence de Christ régulièrement. Choisissent de passer du temps avec lui pour le connaître, pour connaître ses attentes. Et ces deux catégories, comme nous le savons, sont présentées comme étant livrées le bon grain, ou encore comme étant les deux catégories de vierges. Pourtant, toutes les vierges se disent chrétiennes mais nous voyons qu'il y a une différence entre elles. parce que une catégorie veut faire sa volonté et une autre catégorie veut faire la volonté de celui qu'elle suive. donc nous voyons là qu'il y a effectivement un fossé, un écart qui se crée entre ces deux catégories de croyants. la question est de quel côté nous nous trouvons? chacun de nous doit répondre pour elle-même sommes-nous du côté de christ ou sommes-nous du côté de satan puisque il n'y a que deux chemins chers amis le chemin de la vérité qui est christ et le chemin de l'erreur qui, qui est satan lorsque nous ne reflétons pas la vie de christ nous sommes du côté de satan qu'on le veuille ou non parce que jésus n'est pas divisé avec lui-même il ne fait pas de compromis avec le mal. Donc nous devrions savoir aujourd'hui plus que jamais, alors que la fin approche à grands pas et que les signes des temps se manifestent devant nous, nous devrions savoir où nous en sommes avec Christ. Avons-nous compris ce qu'il attend de nous Sa vie a-t-elle un impact sur nous A-t-elle eu un impact sur nous et beaucoup d'entre nous, nous nous trompons sur ce point parce que nous pensons que c'est au retour de Jésus que notre caractère sera changé. Alors que la Bible nous fait comprendre que c'est le corps qui revêtira l'immortalité. Tout ceci a une cause. La cause est qu'il nous manque l'ingrédient qui nous permet de vivre la vie de Christ. Et beaucoup d'entre nous n'avons pas cet ingrédient. Il est à notre portée, mais nous ne voulons pas de cet ingrédient. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc cet ingrédient, chers amis, c'est la connaissance, mais la connaissance approfondie de Christ. Et comment pouvons-nous atteindre ce degré de connaissance qui va nous permettre d'être semblables à Christ. Simplement en demandant à Christ. C'est simple comme bonjour. Et cela, ceci nous permet de retourner dans Ézéchiel. C'est un texte que nous avons déjà touché plus d'une fois. Mais comme nous vous l'avons dit, dans un chapitre, il y a plusieurs études dedans. OK Les brebis sont errantes. Comme nous dit Ézéchiel 34, verset 6, les brebis sont errantes sur toutes les montagnes et sur toutes collines. Donc le peuple est dispersé à travers, sur toute la surface de la terre, et personne ne le recherche, personne ne s'occupe, ou, ou du moins ceux qui s'occupent des brebis qui se sont égarés, continuent à les égarer et à les faire entendre en fait ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent. Et c'est là que le bas blesse justement. Parce que en ne voulant pas avoir une connaissance approfondie de la parole de Dieu, nous nous laissons emporter à tout vent de doctrine et qui fait que nous nous éloignons de la voie du bon berger. Puisque Jean 10, verset 11 et suivant nous dit, je suis le bon berger, c'est-à-dire Christ. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Et nous sommes en plein dans cette époque où il y a beaucoup de loups qui dispersent le troupeau. Pour quelle raison Parce qu'il n'y a plus de berger selon Ézéchiel 34. Il n'y a plus de berger. Donc le problème c'est que le peuple meurt effectivement faute de nourriture, faute de connaissance qui l'amène à connaître véritablement Christ, pour que la vie de Christ reflète sur sa vie, ait un impact sur sa vie. Et c'est pour cette raison que, en revenant dans Ézéchiel 34, le texte nous dit, mais les pasteurs ne doivent-ils pas nourrir le troupeau Donc, s'il y a un manque de nourriture, les brebis sont chétives. Elles ne peuvent pas connaître Christ véritablement. Et l'Éternel dit, j'ai une solution pour vous. J'ai une solution pour mon peuple. Quel est ce moyen, comment faire pour revenir aux pieds de l'Éternel L'Éternel nous dit de demander. Pour cela, nous devons aller dans Zacharie chapitre 10, chers amis. Zacharie chapitre 10, versets 1 et 2, qui nous dit, demandez au Seigneur de la pluie. Mais à quelle époque Au temps de la dernière pluie. Et le Seigneur fera des nuages éclatants et leur donnera des ondes de pluie à chacun de l'herbe dans son champ. Pour quelle raison il faut demander la pluie Parce que les idoles ont parlé de vanité et les devins ont vu le mensonge et ont proféré des songes trompeurs. Ils consolent en vain, c'est pourquoi ils s'en sont allés comme des brebis. Ils étaient abattus parce qu'il n'y avait pas de bergers. Ici, nous voyons qu'il y a une démarche à faire. C'est-à-dire demander au Seigneur de la pluie. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Parce qu'il n'y a plus d'herbe à bouter. La raison pour laquelle, c'est que les bergers ont mangé toute la nourriture des brebis. Il n'y a plus de nourriture. Donc, le peuple meurt faute de nourriture. Mais l'Éternel nous dit de demander cette pluie-là pour que l'herbe puisse pousser dans le champ. Mais il nous dit de la demander à l'époque de la dernière pluie. Donc, plus que jamais, nous devrions comprendre que nous sommes à l'époque de la dernière pluie et qu'il nous faut demander au Seigneur la pluie à l'époque de cette dernière. En d'autres termes, chers amis, si nous devons demander la pluie au temps de la dernière, nous comprenons par là que c'est la dernière qu'il nous faut. Mais nous allons voir que lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, il va au-delà de nos attentes. Il va au-delà de nos attentes. Notre démarche aujourd'hui, c'est de demander au Seigneur de la pluie. Mais qu'est-ce que la pluie véritablement C'est vrai que nous l'avions déjà touchée, mais l'important de le comprendre dans le contexte de la connaissance de Jésus-Christ, véritablement. Pour cela, je vous invite à aller dans Ésaïe 55, verset 10, le 10 et 11. Le texte nous dit, car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais à Rose-la-Terre, il a fait produire et Jérémie a fait qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi sera quoi Ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Ici, si nous voyons, nous avons une confirmation de ce Qu'est la pluie que nous devons réclamer. Donc, si nous devons réclamer la pluie, chers amis, et que cette pluie est représentée par la parole, ceci voudrait dire que nous n'avons pas la parole malgré le fait que nous l'ayons. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, nous avons la parole à notre portée, mais nous ne la comprenons pas parce qu'elle ne produit pas en nous. Le changement qui nous amène à la connaissance véritable de Christ. Et le nous confirme que Sa parole, qui est représentée comme la pluie et la neige, ne retourne pas à lui sans effet. Donc, si nous prenons le temps de demander à Christ Sa parole dans le but de mieux le connaître, Sa parole fera. Un travail conséquent dans notre vie et accomplira dans nos cœurs ce que l'Éternel a voulu. C'est ce qu'Esaïe 55, verset 11 nous dit. Donc, si nous sommes encore des chrétiens superficiels ou des chrétiens qui n'avons pas encore compris qui est Christ véritablement pour nous, c'est qu'il nous manque la connaissance approfondie de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de loups qui ont compris cela, beaucoup de responsables, de pasteurs qui ont compris cela, emploient des formules pour captiver les brebis qui essaient de regarder par la fenêtre et qui ne passent pas par la porte, qui ne suivent pas la voie du bon berger. Ça, et c'est ça qui nous arrive. Nous aimons à entendre des belles phrases, des belles formules toutes faites. Et lorsque la vérité est donnée d'une manière euh, concrète, on va dire au bout de deux on va dire ça comme ça, on n'aime pas ça parce que nous aimons à être caressés dans le sens du poil. Nous aimons à entendre souvent, oui, Christ est amour, Jésus vous aime, Jésus est bon, nous aimons à entendre ce genre de prédication. Mais lorsque nous parlons que l'Éternel viendra juger dans son temple, beaucoup n'aiment pas cela. Parce que nous pensons que Jésus va juger seulement ceux qui sont à l'extérieur et que nous qui sommes déjà à l'intérieur, c'est-à-dire nous qui avons fait alliance par le baptême avec Christ, nous sommes exempts de jugement, nous sommes déjà sauvés. Nous n'avons plus rien à craindre. Et c'est là voir cette connaissance superficielle de Christ. Nous connaissons son nom, nous savons qu'il s'appelle Christ, mais sa vie n'a aucun impact sur notre vie. Donc nous voyons que notre démarche, chers amis, c'est de, de faire une demande à Dieu. Ce n'est pas que l'Éternel ne sache pas ce qu'il nous faut, mais il veut que nous prenions l'initiative de lui demander ce qu'il nous faut. C'est comme un enfant, chers amis. Le parent sait que l'enfant a faim. Mais l'enfant peut avoir faim plus tôt ou plus tard. Vous nous suivez Donc l'enfant, il va dire, mais maman, j'ai faim. Maman va dire, mais peut-être que maman va lui dire, l'heure n'est pas encore arrivée, mais si l'enfant a faim, on lui donne à manger. Donc lorsque nous avons faim et soif de la parole de Dieu, chers amis, il nous faut demander à Dieu l'instruction. Il nous faut dire au Seigneur, Seigneur, j'ai faim de connaître ta parole. Je veux connaître toute la vérité. Et l'Éternel, qui est bon envers nous, justement. Pas dans le sens où certains le font comprendre hein, que l'Éternel est tellement bon qu'il ne va pas euh, réprimander son peuple, qu'il ne va pas juger son peuple, qu'il est amour. Non, pas dans ce sens-là, chers amis. L'Éternel est amour lorsque nous lui demandons quelque chose et qu'il sait que nous voulons faire sa volonté, il nous donne ce qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas plus voir sur les méchants, c'est ce que la Bible nous le dit, d'accord Mais il nous faut savoir que nous devons passer par l'étape de la demande. Ne restons pas là, les bras croisés, et puis attendre que la nourriture va tomber du ciel. Non c'est celui qui cherche et qui trouve. Et lorsque nous avons trouvé la nourriture, chers amis, et que cette nourriture a fait un travail dans notre vie, nous ne gardons pas cette nourriture pour nous-mêmes. Nous courons la partager avec nos frères et sœurs qui n'ont pas la nourriture. Et à ce moment-là, les brebis reprennent force. Les brebis ne sont plus chétives parce qu'elles ont une bonne nourriture. Mais faisons attention de ne pas partager quelque chose qui nous semble être une bonne nourriture et qu'en réalité, c'est quelque chose de corrompu. Parce que beaucoup aujourd'hui font des imitations de la vraie nourriture, font des interprétations de la parole de Dieu qui nous arrangent, comme nous le disons, et nous tombons dedans les pieds joints, parce que ça nous arrange. Ça nous arrange de rejeter l'esprit de prophétie, parce que... Il y a trop de, de choses qui nous dérangent dedans. Ça nous arrange d'interpréter la parole à notre guise parce que nous ne voulons pas croire qu'il qu y ait un jugement. Donc, on va présenter l'aspect l'amour, 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 l'amour. Mais on oublie que Dieu, il est à la fois amour, mais il est aussi juge. Il a dit que sa colère va s'enflammer contre ceux qui ne font pas sa volonté. Pour avoir une confirmation de cela, Deutéronome 32, que nous connaissons bien, nous dit Prêtez l'oreille aux vous cieux, et je parlerai. Écoute-toi, ô terre, les paroles de ma bouche. Ma doctrine tombera comme la pluie. Mon allocution distillera comme la rosée, comme la pluie fine sur la plante délicate, et comme des ondes sur l'herbe. Donc, les cieux sont à l'écoute de Dieu, c'est-à-dire les anges qui sont là, l'Esprit Saint on va dire. Est à l'écoute de Dieu, et lorsque un enfant de Dieu lui demande Seigneur, je veux te connaître les écluses des cieux s'ouvrent et le Saint-Esprit nous permet de comprendre sa parole. Puisqu'elle dit Ma doctrine tombera comme la pluie. Donc l'Éternel a une doctrine, chers amis. Il n'a pas des doctrines, il a une doctrine et sa parole va distiller comme la rosée comme des ondées sur l'herbe pour que cette herbe puisse repousser, que nous puissions manger une nourriture saine donc si nous voulons véritablement être sauvés si nous voulons que si nous voulons avoir la vie de christ notre démarche c'est de demander à dieu lui demander en toute humilité et nous dépouiller de tout ce qui nous empêcherait de recevoir cette pluie parce que lorsque remarquez bien lorsque la terre est surchargée d'eau et ne peut plus boire absorber l'eau ceci voudrait dire que nous devons faire une extraction de mauvaise doctrine en nous pour que la bonne eau puisse pénétrer dans notre terre et lorsque nous faisons cette étape, ceci voudrait dire que nous nous dépouillons de tout préjugé à l'encontre de la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons euh, euh, faire disparaître tout préjugé, toute conception que nous avons lorsque nous venons étudier la parole. Parce que celui qui vient déjà avec un préjugé, une idée préconçue, fermera son entendement. C'est comme la terre qui est gorgée d'eau, qui ne peut plus recevoir. Donc nous devons expulser cette vieille, cette vieille eau et prendre de l'eau pure de la parole de Dieu. Et lorsque nous retournons dans Ézéchiel 34, lorsque les brebis reconnaîtront qu'elles sont errantes, lorsque les brebis reconnaîtront qu'elles sont en manque de nourriture et qu'elles feront la démarche de demander à Dieu ce qu'il faut, qu'est-ce que l'Éternel va faire au verset 25 d'Ézéchiel 34 et je traiterai avec elle une alliance de paix. Et je ferai cesser l'existence des bêtes mauvaises dans le pays. Et elles, les brebis, demeureront en sécurité dans le désert et domineront dans les forêts. Verset 26. Et je ferai d'elle et des environs de ma colline une bénédiction. Et je ferai tomber la pluie en sa saison. Ce seront des pluies de bénédiction. Et les arbres des champs produiront leurs fruits et la terre donnera son rapport et ils seront dans leur terre en sécurité et sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai brisé les liens de leurs joug et que je les aurai délivrés de la main de ceux qui les asservissaient. Donc, l'éternel nous fait savoir ici qu'il doit traiter une alliance avec son peuple pendant que son peuple se trouve encore dans le désert. Nous savons effectivement, nous avons la confirmation que le peuple de Dieu se trouve dans le désert. Pour quelle raison Parce que en 70, après Jésus-Christ, lors de la persécution de Jérusalem, tous ceux qui ont fui ont été conduits dans le monde. Donc, signifie euh, euh, loin de la bergerie. La bergerie est le lieu que l'Éternel avait promis à Abraham, Isaac et à Jacob et qu'il nous a promis aussi. Donc, le peuple de Dieu est parti a fui la bergerie et est dans le désert. Donc l'Éternel dit que cette alliance-là qu'il va traiter sera faite pendant que le peuple est encore dans le désert. Et c'est durant le moment où le peuple sera dans le désert que la, la pluie de bénédiction va tomber. Ceci nous prouve en quelque sorte qu'il nous faut demander la pluie. Sinon elle ne tombera pas et l'alliance ne sera pas faite avec nous. Mais regardez pour quelle raison l'alliance sera faite. L'alliance sera faite pour faire cesser l'existence des bêtes mauvaises dans le pays. Ceci nous amène à la, à la séparation de l'ivraie et du bon grain. Donc, la pluie tombe, l'alliance est faite, ou l'alliance est faite à partir du moment que nous avons demandé la pluie, d'accord Et à partir de ce moment-là, l'Éternel sélectionne les vrais brebis des fausses brebis. Et il met les vrais brebis en sécurité. Alors qu'elles sont dans le désert. Mais suite à cela, regardez bien ce qu'on nous dit le verset 27. Il nous dit les arbres des champs produiront des fruits. Oui, c'est une réalité. Parce que l'Éternel nous a dit dans Ézéchiel 36 que les arbres vont produire. Il va parler à la terre, il va parler aux arbres, etc., de produire des fruits pour son peuple qui est prêt de revenir. Vous allez lire Ézéchiel 36. Donc, l'Éternel nous dit oui, les arbres produiront, etc., et la terre donnera son rapport, et elles, c'est-à-dire les brebis, seront dans leur terre. En sécurité. Est-ce que vous voyez que, euh, euh, le, le paradoxe qu'il y a, chers amis? Donc, il y a l'alliance qui est faite alors que le peuple est dans le désert, mais une fois que l'alliance est faite, que la pluie est tombée sur le peuple, que le peuple est en condition et que les bêtes mauvaises ont été éliminées, qu'est-ce qu'il fait? Les brebis se retrouvent dans leur terre. C'est-à-dire, sont retournés dans la bergerie. Le lieu qui appartient à l'Éternel, et elles vivront aussi en sécurité. Donc, l'Éternel sera une protection pour son peuple, comme cela l'a été pour Israël d'antan, pendant qu'il était dans le désert. Et l'Éternel sera une sécurité aussi pour son peuple lorsqu'il retournera dans sa terre, puisqu'il dit bien :« Nous saurons. » Et sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai brisé les liens de leur jougs et que je les aurai délivrés de la main de ceux qui les asservissaient. Donc, cette délivrance-là se situe au verset 25. OK Mais on saura cela, on saura que l'Éternel est le Seigneur lorsqu'il accomplira toutes ces choses. Vous voyez pourquoi il nous faut demander la pluie, chers amis c'est pour que nous fassions partie de la bergerie de l'Éternel. Que l'Éternel soit une protection pour nous, un abri contre la tempête. Donc nous comprenons bien qu'il ne faut pas rester les bras croisés en pensant que la vérité va tomber du ciel. Que la nourriture va tomber du ciel. Non. Nous avons une démarche à faire. Et la, la démarche incombe à chacun individuellement de la faire. N'attendons pas que notre fasse la demande pour nous. Faisons notre démarche nous-mêmes. C'est important. Revenons brièvement sur les dix vierges. Les dix possédaient de l'huile dans leur lampe. Mais cinq avaient pris de l'huile dans leur vase. L'huile dans la lampe représente la pluie de la première saison. Et l'huile dans les vases représente la pluie de l'arrière-saison, qui va nous permettre de tenir au bon lorsqu'on entendra Voici l'époux. C'est-à-dire quoi? Le jugement va commencer. C'est ça, voici l'époux, chers amis. Parce, pour quelle raison? Parce que l'époux, il va entrer dans la salle de noces pour séparer, pour mettre dehors tous ceux qui n'ont pas l'habit de noces. Donc l'Éternel nous dit, avant que cela ne se produise, demandez-moi l'instruction pour que vous me connaissiez vraiment, pour que vous sachiez que je vais venir exécuter mon jugement, et que si vous n'avez pas mon caractère aujourd'hui, il sera trop tard. Donc l'Éternel, lorsqu'on va faire cette démarche, il traite l'alliance, alors que nous sommes dans le désert. Il fait pleuvoir sur nous cette pluie de bénédiction. Et comme je vous disais, chers amis, lorsque nous demandons à Dieu quelque chose de bon, il nous donne au-delà de nos attentes. Et c'est comme Salomon. Salomon n'avait pas demandé de richesse, mais l'Éternel lui a donné par-dessus ce qu'il avait demandé. Donc, lorsque nous reconnaîtrons notre faiblesse, lorsque nous reconnaîtrons que euh, euh, nous sommes bien sans Dieu, et que nous ferons cette alliance avec Dieu. L'Éternel va nous permettre de vivre dans l'abondance. Et c'est pour cette raison en revenant sur Jean 10 verset 7 et suivant, Jésus leur dit encore en vérité en vérité je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais lorsqu'on fera la demande à l'Éternel, que l'Éternel fera l'alliance avec nous. Les brigands et les voleurs seront extirpés. C'est ce qu'il nous a dit dans Ézéchiel 34. Il va briser le joug. et nous dit qu'il est la porte. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Ceci se fera à partir du moment que notre demande sera faite. N'oubliez pas. Il nous dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc l'Éternel nous promet, chers amis, une abondance de nourriture parce que les bergers qui sont là nous ont privés de nourriture. Et il nous dit que pour que nous soyons dans cette abondance, il nous faut lui demander. Lorsque nous lui demanderons, il va faire au-delà de nos attentes. Il va nous donner non pas, non pas une pluie, mais les deux. Selon Joël 2, verset 23, Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Lorsque vous aurez fait votre demande, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en votre Dieu. Parce que vous avez fait la bonne démarche, vous avez fait la bonne demande. Car il vous donnera quoi La pluie en son temps. Mais rappelez-vous que Zacharie 10 nous dit, à l'époque de la dernière pluie, donc il va nous donner la pluie. Ah, en son temps mais qu'est-ce qu'il va faire il vous enverra la pluie de la première et de la saison comme autrefois pourquoi alors que nous demandons à l'éternel la pluie il nous donne deux pluies comme nous l'avons dit tout à l'heure peut-être que vous n'avez pas bien compris c'est parce que nous avons été instruits avec une mauvaise nourriture parce que les pasteurs n'ont pas été en, en mesure de nous donner la bonne nourriture. et ne nous ont donné que les mêmes choses que la nourriture avariée. Donc ça nous a rendu chétifs, maigres, etc. L'Éternel dit, pour que cette alliance soit concrète et que je brise votre joug, je vais vous donner les deux pluies qui seront en mesure de corriger toutes les erreurs qui ont été données au départ. Sur lesquels nous nous étions basés. Et ces pluies-là, comme elles seront données à l'époque de la dernière pluie, elles provoqueront un changement dans votre vie, une transformation, et vous vous rendrez compte que ce que vous pensiez connaître au départ n'était pas la vraie connaissance. Parce que les bergers qui étaient là nous ont donné une mauvaise nourriture. Donc l'Éternel va nous nettoyer complètement avec la nourriture saine, il va faire un travail en nous pour extirper ce qui est mauvais et le remplacer par ce qui est bon. Vous nous suivez, chers amis Donc lorsque nous ferons cette demande à l'Éternel, il nous enverra les deux pluies. C'est-à-dire la connaissance concrète sur le jugement des morts, la connaissance concrète sur les 2300 soirées matins, la connaissance complète sur les sauts. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait comprendre que les sauts commencent à l'air chrétienne. Et nous l'avions déjà expliqué dans le passé. Mais nous reviendrons dessus par la suite. Pour confirmer encore d'autres points. Donc l'Éternel va faire une remise à niveau à travers la première pluie. Et il va finaliser le travail avec l'appui de l'arrière-saison. D'où la dernière étude que nous avions faite. Il va nous écarrer, nous tailler et à la fin, il nous polie pour nous rendre comme des emblèmes du ciel. Donc aujourd'hui, nous voyons que si nous ne faisons pas la démarche réelle de demander à l'éternel, chers amis, nous resterons dans l'ignorance. Nous ne saurons pas qu'il y a Dieu, et nous serons dans la confusion. Et lorsque cela se, fie, se, se fera, chers amis, lorsque l'Éternel déversera les deux pluies sur nous, la parole de Jean 10 verset 1, 2 et suivant nous dit En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie et qui monte par ailleurs est un voleur et un, et un brigand. Donc, celui qui ne se pliera pas aux exigences de Dieu, dira-t-on, aux doctrines de l'Éternel, comme il nous l'a dit dans Deutéronome ma doctrine tombe comme la, comme la pluie, et qui viendront. Vous dire à partir de ce moment-là, non, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter les Écritures. Rappelez-vous des études que nous avions faites lorsqu'on parlait d'Élie, le prophète qui doit venir. Il lui dit, tu n'interprètes pas correctement les Écritures, laisse-moi te dire comment tu dois interpréter. Donc, ceux qui n'entreront en pas par la porte qui est Christ, et qu'ils essaieront de vous dire après, ce que vous étudiez là, non, le jugement des vivants, mais il n'y aura pas de jugement des vivants. L'Éternel a dit que c'est autour de Jésus qui va, qui va séparer l'ivraie du bon grain. Faites attention, etc. Non, vous leur direz non. Parce que l'éternel nous a permis de comprendre qu'il nous fallait de pluie, qu'il nous fallait refaire notre éducation spirituelle. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de vous entendre. Parce que vous êtes passé par la fenêtre. Vous n'êtes pas passé par l'éternel. Et le texte poursuit nous dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Le portier est le Saint-Esprit qui ouvre la porte de notre cœur pour que le berger puisse entrer, que nous puissions entendre sa voix. Donc sans le Saint-Esprit, chers amis, qui est le portier, les brebis ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Le texte poursuit, il appelle par leur nom les brebis, c'est-à-dire le, le, le berger, les brebis qui lui appartiennent, et les conduit dehors. Donc ça voudrait dire quoi? Que Lorsqu'il entre dans sa bergerie, écoutez bien le, le, le texte, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc ça voudrait dire que dans la bergerie aujourd'hui, il y a des brebis qui n'appartiennent pas à l'éternel. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir ou quoi Toutes ses propres brebis. Il marche devant elles. Ça voudrait dire quoi? Que l'Éternel va extirper, va, va séparer ses vrais brebis des fausses brebis. Parce qu'il y a des, des bergers des, qui sont passés par la fenêtre et qui font un travail contraire à ce que l'Éternel a fait. Donc, il y a dans la bergerie deux catégories de brebis. Mais l'Éternel dit: lorsque. Je vais les appeler les vrais brebis, ils reconnaîtront ma voix. Et je vais les faire sortir, mes propres, je vais faire sortir mes propres brebis. Donc, il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas. Et le texte nous dit, et les brebis le suivent, pour quelle raison? Parce qu'elles connaissent sa voix. C'est parce qu'elles ont été rééduquées. Elles ont, elles ont été inscrites à l'école de Christ et pas à l'école des hommes. Donc elles sont en mesure à ce moment-là de reconnaître la voix du vrai berger. Et le verset 5 nous dit, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Pour quelle raison Parce que la vérité aura provoqué un changement dans le cœur de tout un chacun, de ceux qui ont fait la demande de recevoir l'appui. Donc elles fuiront loin des étrangers. Et elles ne se laisseront plus emporter à tout vent de doctrine, mais elles seront enracinées dans la vérité. Et elles ne feront plus attention à la voix des étrangers. Donc, chers amis, l'Éternel nous montre ici pour terminer que si nous voulons véritablement être sauvés, il nous faut passer par le chemin de la connaissance. Et pour passer par le chemin de la connaissance approfondie, il nous faut faire la demande à Dieu qu'il déversions-nous la pluie de la dernière saison. Et lorsque nous lui ferons cette demande, il nous comblera des deux pluies. Il nous fera réapprendre ce qui a été mal appris. Et nous écarira, nous polira pour être des emblèmes du ciel. Donc aujourd'hui, si nous avons une connaissance superficielle de la parole de Dieu, si nous avons une connaissance superficielle de Dieu lui-même, si nous ne l'avons pas rencontré, malgré le fait que nous soyons passés par les eaux du baptême, et que nous sommes restés tels que nous sommes, reconnaissons effectivement que nous n'avons pas la nourriture qu'il nous faut. Reconnaissons, finissons par avouer que les bergers ne nous donnent pas la nourriture qu'il faut. Finissons par reconnaître cela. Celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde, nous, la, nous dit la parole de Dieu. Donc, lorsque nous avouons à l'Éternel que nous nous sommes égarés parce que nous avons suivi la voie des faux bergers, il nous dira Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai la couronne. Donc, chers amis, en tant que brebis de l'Éternel, ne nous laissons plus conduire par des bergers, par des brigands qui passent par la fenêtre de la bergerie, qui ont été instruits à l'école des hommes, et qui nous amènent à toujours les soutenir pour les engraisser. Mais laissons-nous instruire par la parole pure de Dieu, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de pour le peuple. Aujourd'hui, les faux bergers nous encouragent à abandonner les témoignages et à suivre la parole seule. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas divisé avec lui-même. L'Esprit de Dieu utilise des prophètes pour nous interpeller. Et sans les prophètes, chers amis, le peuple est sans frein. Sans la prophétie, le peuple est perdu. Donc l'Éternel nous dit, revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Cherchez-moi, et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Donc, plus que jamais, aujourd'hui. Et comme nous le répétons, nous arrivons à la fin de l'histoire du monde. Tous les signes qui se déroulent autour de nous, nous le prouvent que nous sommes à la fin. Nous sommes la dernière génération qui allons vivre les grands événements de la fin. Donc, Faisons la démarche de demander à Dieu la pluie. Reconnaissons que nous sommes vides, que nous sommes pauvres, misérables, aveugles et nus. Reconnaissons que nous sommes vraiment dans un état laodicéen. Et achetons l'or éprouvé par le feu. Achetons le collier. Achetons la robe de justice. Mais tout ceci nous dit Dieu. Nous sera donné gratuitement. Et comme nous dit Isaïe 55, verset 6, cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquons-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, verset 7, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, que nous puissions retourner à l'Éternel, qui aura pitié de nous, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Donc, nous avons une démarche à faire. Cherchons l'Éternel. Demandons-lui la pluie. Abandonnons nos mauvaises voies. Abandonnons nos mauvaises pensées, les mauvaises choses que nous avons apprises. Et retournons vers l'Éternel. Retournons vers l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. C'est là notre prière pour chacun de vous, chers amis. Amen. Amen. say

So no